buvons un coup là là, buvons en de Seigneur, à la santé. Salut, c'est Marine pour News Monkey, on est ici à Liège, place Saint-Paul. Poser quelques questions aux étudiants qui font leur baptême. Elle aime à rire, elle aime à boire. À la base, c'est parce que mon père est ancien baptisé et qu'il m'en a toujours parlé et que j'ai dit bon, bah ok. Vu qu'il avait que des bons souvenirs à m'en raconter, il me dit bon, bah pourquoi pas. Beaucoup de gueule de bois, beaucoup de prise de tête, mais beaucoup d'amusement. À la base, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent le baptême pour avoir une peine. Perso, j'ai commencé. Je savais pas vraiment ce que c'était, j'ai commencé pour me faire des potes, voilà, c'est tout. Eh bien, moi, personnellement, le baptême, il m'a apporté beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, de connaître le folklore de la ville de Liège. Ensuite, il m'a appris à connaître d'autres personnes que j'ai connues à l'école. Il m'a appris à me connaître plus au niveau de mon caractère, de ce que je pouvais vraiment me dépasser en moi-même. Mais c'est un truc que je pense qu'il faut vivre une fois dans sa vie, c'est pas à 40 ans qu'on fera ça et... Autant en profiter tant qu'on est jeune et qu'on peut le faire. Quoi. Et pas une petite confession sur un petit événement, un petit indice? On ne peut pas, les blousins, ça doit rester secret. Dans le baptême, souvent ce qui ressort, c'est l'idée d'intégration, l'idée de rencontrer du monde, voilà. Oui, bah, c'est une très belle expérience qui permet de se faire beaucoup d'amis. Certains de mes meilleurs amis actuellement, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés avec le baptême. Et franchement, c'est un truc que je ne regrette pas du tout.